Chers amis, merci à vous d'être là. Et c'est avec un grand sourire et le cœur rempli de joie que je vous accueille à ce moment de bénédiction, de réflexion autour de la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Merci à vous et que la paix du Seigneur repose sur vous. Notre sujet du jour, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Nous prions, notre Père, notre Dieu, nous allons ouvrir ta parole. Et chaque fois que nous ouvrons ta parole, nous avons besoin absolument l'aide et la puissance de ton Esprit Saint pour nous éclairer, nous donner l'intelligence, la sagesse, la compréhension pour être à ton écoute et recevoir le message que tu as pour nous. Bénis ce moment et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer en lisant le psaume 33, verset 3. Il est dit « Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. » Un cantique nouveau en face de la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin. La louange jaillit de l'âme croyante comme une source d'eau vive. C'est particulièrement le cas pour le fidèle. Après une grande délivrance et pour le peuple de Dieu, au commencement d'une phase nouvelle de l'œuvre du salut. Alléluia. Lisons le psaume 40, verset 3. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Alléluia. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Notre délivrance, mes amis, ne donne pas seulement lieu à une louange à Dieu, mais sert également de témoignage devant les autres. Beaucoup l'ont vu, dit le texte, et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Le meilleur moyen de prêcher l'Évangile, n'est-ce pas? Tout au long des psaumes, les auteurs expriment souvent l'idée que leur délivrance a pour but d'amener de nouveaux adorateurs à l'Éternel. Alléluia. Lisons le psaume 96, versets 1 et 2. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Alléluia. Un cantique nouveau, mes amis, suppose des faveurs nouvelles. Savoir ses compassions qui se renouvellent chaque matin. Un nouveau cantique est un chant de louange à l'honneur de la nouvelle alliance et des précieux privilèges qu'elle renferme. Toute la terre est sommée de servir l'Éternel selon qu'il l'a ordonné. Cet appel, qui était un sujet de mortification pour les Juifs, est la prédiction d'un événement qui devait avoir lieu pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de l'humanité. Lisons le psaume 98, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont devenus en aide. Le psaume 144, verset 9. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Lorsqu'il aura été secouru, le psalmiste chantera un cantique nouveau au Seigneur sur le luth à 10 cordes. Il exaltera celui qui l'aura sauvé du glaive meurtrier de ses ennemis. Alléluia. Lisons maintenant le psaume 149, verset 1. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Le psaume précédent était une hymne de louange adressée au Créateur. Celui-ci est une hymne au Rédempteur, car c'est le Messie. Ce sont ses grâces et sa gloire que nous devons avoir présents à l'esprit en lisant le psaume 149. Une question. Quel est le motif commun à ces textes que nous venons de lire? Pour trouver la réponse à cette question, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Les psaumes invitent les gens à chanter un cantique nouveau. Qu'est-ce qu'un cantique nouveau? La raison de ce cantique nouveau est la reconnaissance renouvelée de la majesté et de la souveraineté de l'Éternel sur le monde et la gratitude pour la sollicitude et son salut en tant que créateur et juge de la terre. Amen. La délivrance des ennemis et de la mort, ainsi que la faveur spéciale de Dieu à l'égard d'Israël, sont quelques-uns des motifs les plus personnels qui nous poussent à chanter un cantique nouveau. Alors que d'autres chants louent l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles, le cantique nouveau est un cantique particulier qui exprime une joie ravivée
et la promesse d'une dévotion renouvelée à Dieu. La nouvelle expérience de la délivrance divine incite le peuple à reconnaître l'Éternel comme son Créateur et son Roi. Les thèmes communs aux psaumes qui parlent d'un cantique nouveau sont, entre autres, la confiance en Dieu, la louange de ses œuvres merveilleuses et la délivrance, mes amis, de l'affliction. Alléluia. Lisons Ésaïe 42, 10 à 12. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Alléluia. Verset 12. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Amen, amen, amen. Lisons maintenant Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Alléluia. Apocalypse 14, verset 3. « Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Amen, amen. Une question. Que pouvons-nous déduire de ces textes bibliques au sujet du cantique nouveau? Alors que tu réfléchis, que l'Esprit de Dieu t'inspire la bonne réponse à cette question et crée en toi la joie pour le Seigneur. Mes amis, le peuple de Dieu, Israël, est décrit en termes affectueux comme un peuple qui est près de lui, ce qui implique que toute la création, Israël, a le statut le plus spécial et est donc le plus privilégié et le plus obligé de louer Dieu. La Bible encourage donc les croyants de toutes les générations à chanter le cantique nouveau à la louange de leur Rédempteur qui porte leur témoignage unique sur le salut dans le sang de l'agneau. Un cantique nouveau peut représenter un chant agréable que personne n'avait jamais entendu auparavant. Un chant qui commémore une expérience vivante de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Le cantique nouveau peut aussi exprimer l'espérance, auquel cas la nouveauté du chant se manifeste dans l'anticipation de l'expérience unique et sans précédent de la majesté de Dieu dans l'avenir. La véritable adoration va au-delà des sacrifices et des offrandes et reflète une relation vivante avec Dieu, toujours nouvelle et dynamique. Dans un sens, on pourrait simplement dire que le cantique nouveau est une nouvelle expression de notre amour et de notre reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Une question. Méditez sur les bénédictions de Dieu dans votre vie. Si vous deviez chanter un cantique nouveau, quel serait-il? Alors que tu réfléchis, que l'Esprit de Dieu t'inspire la réponse, mais aussi t'inspire ce cantique nouveau que tu dois chanter pour la gloire de Dieu. En conclusion, le cantique nouveau est l'hymne qui sera entonné lorsque le Seigneur Jésus reviendra sur la terre pour inaugurer son règne glorieux. Ce ne sera pas seulement un cantique nouveau, mais également un cantique universel. Les habitants de toute la terre uniront leur voix. Les hommes béniront le nom de l'Éternel et annonceront son pouvoir de salut. Alléluia. Amen. Nous prions. Ô notre Père, notre Dieu, merci, merci, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment béni que nous venons de vivre avec toi. Et merci de nous aider à comprendre que chaque fois que nous vivons une expérience nouvelle avec toi, cela suscite en nous de créer un cantique nouveau pour le chanter à ta gloire. C'est pour cette raison que tu fais des choses dans notre vie chaque jour pour pouvoir nous pousser à élever nos âmes vers toi et à te louer, à te chanter, à te bénir, à élever ton saint nom. Nous sommes contents de ce que tu fais dans notre vie. Alors, Père éternel, continue à œuvrer en nous au nom de Jésus. Et que tu puisses non seulement inspirer en nous la reconnaissance, mais aussi, Père éternel, ce bonheur
de crier quelque chose pour te remercier, de chanter quelque chose pour te remercier, et ainsi élever notre âme vers toi encore davantage. Père éternel, merci. Merci de nous aider à toujours être reconnaissants envers toi pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire. Donne-nous d'être toujours dans cet esprit de louange et de remerciement. Merci de nous bénir à nouveau. Prends soin de nous, Père éternel, et que tu sois heureux et fier de vivre en notre présence, car nous sommes connectés à toi, et c'est ce que tu attends de nous. Sois béni et loué au nom de Jésus. Amen. Amen.